Bienvenue dans la deuxième partie du déclarateur de produits pour les dents. Dans l'épisode précédent, nous avons déjà fait notre travail sur les primers, les poudres et les sprays fixateurs. Donc je suis très contente comment on a bien avancé. Comme la vidéo devenait un tout petit peu trop longue, j'ai décidé de la diviser en deux parties. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour vous de regarder. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, le lien dans la première partie de la vidéo sera dans la description. Donc aujourd'hui, on a un gros programme. Enfin, c'est toujours le même jour pour moi parce que je le filme le même jour. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a un gros programme. On fait des concealers et je fais des fonds de teint. Et c'est pour ça aussi, en fait, j'ai décidé de séparer les deux parce que je pense que je vais faire quelques swatchs pour vous montrer des couleurs, des produits, pour me rappeler aussi éventuellement des couleurs, comment les couleurs se comparent. Donc voilà, c'est notre programme aujourd'hui et on va commencer du coup par les concealers. Un concealer que vous pouvez vous douter, il reste absolument dans ma collection, c'est le concealer par Maybelline Anti-Age Eraser. Je l'ai en couleur qui est light et j'adore ce concealer. Comme vous pouvez voir, c'est pas mon premier concealer de Maybelline que je termine. J'adore ce concealer, il est vraiment génial. Vous savez, il y a aussi un concealer dont j'entends beaucoup parler en bien, c'est le Fit Me. Mais le Fit Me, je n'ai pas essayé. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé Fit Me. J'aimerais éventuellement lui donner une chance, mais celui-ci, c'est un énorme favori. Et d'ailleurs, j'ai un deuxième qui n'est pas encore ouvert. Je l'ai acheté en réduction, donc celui-ci, il est complètement fermé. Il est neuf, vous voyez. Ça fait plaisir de voir des produits qui sont neufs. Mais je sais que j'utilise très très souvent ce produit et il se termine très rapidement. Je vais voir, relativement rapidement, je pense que celui-ci il est ouvert depuis 6 mois environ, en tout cas en 6 mois en général, j'arrive à le terminer. Donc voilà, j'ai déjà un backup, j'ai un deuxième qui m'attend quand je vais finir celui-ci, mais je pense que je n'ai une utilisation pour peut-être un mois, on va dire 2 semaines, 3 mois, et je vais du coup passer du coup au nouveau. Attendez, je vous ai pas fait le swatch du concealer par Maybelline, et donc voilà ce que ça donne. Un autre concealer qui reste absolument dans ma collection, c'est un zéro défaut par la marque de Yves Rocher. Je ne suis pas la plus grande fan des marques de la marque de Yves Rocher, mais ce concealer, franchement, je l'adore. C'est un zéro défaut et j'ai la même couleur. J'ai la couleur qui est beige clair et j'adore ce produit. C'est un produit, on va dire, pour des jours qui sont un peu plus naturels. Par exemple, si j'utilise une sorte de crème teintée. Je vous ai fait du coup le swatch de ce concealer. Vous voyez, il est un peu moins jaune que le concealer en light par Maybelline. Je dirais qu'il a une petite touche, un tout petit peu pêche et j'adore ce produit. C'est un produit qui cache moyennement bien les cernes. C'est un produit qui est assez léger, il a une texture assez légère malgré le fait que c'est un produit qui est crémeux, enfin c'est un stick quoi. Comme je disais, les deux c'est la même couleur, celui-ci il est presque terminé, il me reste un petit bout et celui-ci du coup c'est presque nouveau, il est presque, voilà, il est complètement nouveau, donc cela je l'utilise avec parcimonie parce que cette marque, enfin Yves Rocher n'est pas disponible aux Pays-Bas, donc c'est plutôt difficile de mettre la main dessus, mais éventuellement si je vais en France j'en rachète toujours un pour que j'en ai en stock. Un autre concealer par Yves Rocher que j'aime beaucoup moins, c'est s'appelle Anti-Cerne et je ne sais pas le numéro, c'est un beige 025 et franchement c'est un concealer qui est bon, il n'est pas exceptionnel. Je viens de vous faire un swatch, c'est le troisième que je viens de vous swatcher et au niveau de la couleur je dirais qu'il est un peu trop clair pour moi. Je pense que je vais m'en séparer, je trouve pas que c'est un produit qui est favori, c'est un produit que j'utilise vraiment très très rarement, je me rappelle plus exactement quand je l'ai utilisé pour la dernière fois. Le concealer par la marque de Yves Rocher, vous savez, un stick, reste mon favori, celui-ci ne l'a pas détrôné. Un concealer qui va rester dans ma collection, c'est le concealer toujours dans la ligne dont je viens de vous parler, la Skin Sensitive par la marque de Essence. J'adore ce concealer, je trouve qu'il est vraiment... Enfin, il est bon quoi, il se rapproche un tout petit peu de Maybelline, peut-être un tout petit peu plus naturel, il est encore moins couvrant que Maybelline, même si voilà, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais j'aime bien les concealers qui ne sont pas très très couvrants, j'aime bien les concealers qui sont plutôt légers, qui sont plus hydratants, et je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de cernes en fait, on va voir avec l'arrivée du bébé, mais... Mais je n'ai pas énormément de cernes, donc je préfère quand même les concealers qui sont un peu plus légers. Et de manière générale, en fait, ce n'est pas une difficulté que je rencontre en général sur mon visage. On va dire j'ai beaucoup plus d'imperfections et de rougeurs que des cernes. Donc voilà, c'est un concealer que j'ai swatché aussi pour vous. Vous voyez, par rapport aux autres, ça, c'est cette couleur-ci. C'est la couleur qui est médium, bien que, bah... Enfin, pour moi, c'est pas vraiment un médium, donc c'est un joli concealer. Je l'utilise plus en été qu'en hiver, donc celui-ci, il reste. Un concealer qui a fait un énorme buzz sur internet, c'est le NARS Radiant Cream et Concealer. Et je sais qu'il est dans les favoris de beaucoup de youtubeurs, et franchement, pour moi, c'est... Ça reste un secret de l'humanité, parce que c'est l'un des concealers qui est le plus asséchant que j'ai rencontré dans ma vie. En fait, il est vachement épais. Si vous pouvez voir, au niveau défini, vous voyez, c'est ce concealer-ci. Je l'ai en couleur custard, et j'aime bien cette couleur. Je trouve qu'au niveau de la couleur, j'ai bien choisi. C'est une couleur qui est un peu plus
pêche, je dirais, par rapport aux autres couleurs. C'est vrai que Essence, il est pas mal jaune et du coup, et je pense qu'il est pas mal proche de concealer par Yves Rocher que j'aime bien. C'est un concealer que je trouve vachement asséchant sur mon visage, mais vraiment, vraiment asséchant. Il est plus couvrant que les autres que j'ai, c'est vrai, mais je n'ai pas besoin de tant de couvrance. Et en fait, celui-ci, je l'ai pas mal utilisé, malgré le fait que c'est pas mon favori. J'ai payé assez cher, surtout pour la quantité du produit. Et surtout, bah, au niveau de la déception, c'était plus par rapport aux attentes, en fait, et des revues que j'en avais entendues sur Internet. Et franchement, je n'ai pas du tout rencontré, enfin, je n'ai pas rencontré, du coup, le même succès. Ce concealer n'a pas eu un succès, du coup, bah, dans ma collection. Et franchement, je l'ai utilisé un tout petit peu à contre-cœur parce que, voilà, je l'ai cher payé et il fallait que j'utilise. Il y en a très, très peu qui restent, en fait. Il y en a vraiment pas grand-chose qui reste. Donc, je l'ai presque terminé. Donc, je vais m'en séparer, enfin, parce que, voilà, j'en peux plus de ce produit et il va partir. En concealer qui reste absolument dans ma collection, contrairement à en précédent, c'est le concealer aussi par la marque de Nars. La même couleur, c'est la couleur Custard. Je vous ai du coup swatché les deux, mais vous voyez, c'est la même couleur en fait. Celui-ci, c'est un liquide et celui-ci, c'est un mat. Et j'adore ce concealer malgré le fait que c'est un mat et c'est un concealer qui est complètement mat. Vous n'avez pas en soi besoin de le fixer avec la poudre parce qu'il a un fini complètement mat. C'est un concealer qui assèche beaucoup moins que la version qui est, vous savez, qui est censée être hydratante, le Radiant Cream et Concealer. Enfin, en tout cas, j'adore cette formulation et il ne part nulle part. Je l'ai pas mal utilisé. Comme vous pouvez voir, je l'utilise quand même pas mal. Je pense que je vais éventuellement toucher un pan. Je ne suis pas sûre que ce sera bientôt, mais j'utilise ce concealer beaucoup plus en été parce qu'il est beaucoup plus mat, donc il tient beaucoup mieux en été qu'en hiver. C'est vrai qu'en hiver, je préfère quelque chose un peu plus hydratant. Donc voilà, c'est un très très bon concealer, donc celui-ci reste absolument. Un autre concealer qui va absolument rester dans ma collection, c'est un concealer par la marque Glossier. J'adore ce produit. C'est un produit à une couvrance qui est très très légère, mais il est très très hydratant. Ce concealer est chez moi du coup dans la couleur G11 et du coup c'est ce swatch-ci. Et franchement, j'aurais pu aller une couleur au-dessus parce que voilà, c'est une couleur qui est un tout petit peu trop claire pour moi, mais franchement, je pense que celui-ci va bientôt se terminer parce que voilà, vous pouvez voir, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Je l'utilise un peu plus en été, c'est vrai, comme je viens de vous en parler. Et des fois, je l'utilise même en tant que fond de teint sur mon visage. Ça marche aussi, en tout cas. C'est une formulation qui est très versatile. C'est une formulation qui est pas mal glossy. C'est une formulation qui est très, très hydratante et du coup, j'adore ce produit. Malheureusement, cette marque n'est pas disponible aux Pays-Bas et il n'y a pas de livraison de Glossier vers le Pays-Bas, mais du coup, si éventuellement je passe une commande sur l'adresse de mes parents, je vais probablement commander celui-ci, mais en couleur, du coup, une couleur plus foncée que celui-ci, parce que celle-ci, elle est un tout petit peu trop claire pour moi, mais en tout cas, comme vous pouvez observer, je pense, j'adore ce produit, et ce produit, je vais le terminer. Je pense qu'il est temps de se séparer de ce produit, c'est le produit par la marque de The Balm. Je ne sais pas si vous connaissez bien cette marque, c'est une marque que j'ai, enfin, c'est ce concealer, je l'ai acheté il y a très 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 longtemps, je l'ai acheté sur le site de Birchbox, au moment où j'étais encore abonnée à la Birchbox, donc c'était, je pense, environ il y a 2 ans. Donc celui-ci, techniquement, il a expiré parce qu'il a 24 mois du coup de vie, on va dire comme ça. Et ce concealer, franchement, il est ok. Je viens de vous faire un swatch. Il est ici. Donc voilà, au niveau de la couleur, c'est pas ma favorite. Je préfère quelque chose, voilà, d'un Maybelline ou un stick. Celui-ci, elle a un tout petit peu trop blanche. Et elle se rapproche pas mal au niveau de la couleur du Glossier. Mais je préfère la formulation de Glossier. Elle est beaucoup plus hydratante. Celui-ci, il est pas mal pour cacher les imperfections, mais je trouve qu'au niveau de la couleur sur mon visage, c'est pas ma favorite. Et sur les cernes, je trouve qu'il est plus asséchant que la version par Nars, et j'aime beaucoup cette version par Nars. Donc voilà, je l'ai acheté il y a très longtemps sur Birchbox, et enfin, en tout cas, j'étais abonnée à la box, je pense, pendant 3 mois, et après j'en ai eu marre. Je ne suis pas quelqu'un qui aime bien beaucoup d'échantillons, vous savez, d'accumuler pas mal de trucs, attendre, etc. J'aime bien choisir en fait ce que j'ai envie d'acheter, et enfin, en tout cas, je suis vraiment pas fan des box d'abonnement, c'est pour ça, vous allez pas les voir probablement sur ma chaîne, parce que je trouve que c'est un tout petit peu une perte d'argent, parce que je préfère moi-même choisir les produits et je ne suis pas fan d'échantillons, parce que les échantillons ont tendance à se perdre dans ma collection. Donc voilà, je vais m'en séparer de ce produit et voilà, on va passer au suivant. Un autre concealer que je vais absolument garder, c'est le Dior Forever Skin Correct en couleur en N, je crois. Est-ce que c'est en N? Mais je crois que c'est en N. En tout cas, c'est en N, et la seule chose que je n'ai pas dans ce concealer, c'est le packaging, parce que le packaging, il a pas mal en train de couler. Vous pouvez voir une petite ligne là ici. Franchement, il est en train de coller, mais autrement, tout est bon dans ce concealer. Il est hydratant, enfin, il est relativement hydratant. Ce n'est pas le concealer le plus hydratant, mais je pense que parmi tous les concealers que j'ai, je pense que c'est le plus hydratant. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une belle formulation. C'est une formulation sur laquelle je peux compter. Je l'ai utilisé pour mon mariage. Il a tenu extrêmement bien toute la journée, en toutes circonstances. Si vous le fixez bien, c'est un concealer qui est longue tenue. J'adore ce produit. Celui-ci reste absolument. Et je vous ai fait au swatch, du coup, la couleur en N. Je viens de vous swatcher. Du coup, c'est une
une couleur qui c'est une bonne couleur pour moi. J'aurais pu aller un et demi pour l'été, je pense. Mais voilà, au niveau de couleur, c'est une belle couleur pour moi en hiver. Et comme je me marie en hiver, je l'ai acheté aussi pour mon mariage en partie. Donc voilà, c'est une bonne couleur, bonne consistance, bonne couvrance. Et s'il y en a un concealer que je vous conseille, je pense, mis à part à celui par Maybelline, c'est celui-ci. C'est devenu du coup mon... Je pense que celui-ci et Maybelline, ce sont mes top 2 des concealers du coup, des favoris de tous les temps. Un autre concealer qui reste absolument dans ma collection, c'est le concealer par la McDo Anastasia. Je l'ai en couleur numéro 6 et la seule chose qui n'est pas bonne avec ce concealer, c'est leur rangée de couleurs. Le numéro 6, il est beaucoup trop foncé pour moi. Vous voyez, je viens de vous faire un swatch. Ça, c'est le Dior en N que j'aime beaucoup. Et ça, c'est... Ça c'est le 6, franchement c'est une concealer qui est super super foncée pour moi. Et le problème avec ce concealer, c'est que je crois que la teinte numéro 4 ou la teinte numéro 5, ce sont des teintes qui sont un sous-ton qui ne me convient pas. Soit c'était un sous-ton rosé, soit c'était un sous-ton qui est genre, je sais pas, jaune ou vraiment très très chaud. En tout cas, celui-ci c'est le premier neutre et je crois qu'il était censé être un clair neutre. Pour moi, ce n'est pas un clair, ça se rapproche plus un clair médium. Donc voilà, mais autrement, c'est un joli concealer, très 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 agréable à porter. Je pense que c'est le concealer le plus couvrant que j'ai, mis à part le NARS qui est du coup plus en sorte en pot. Le NARS, il est extrêmement couvrant, mais celui-ci, il est très très près. Il a une couvrance médium, vous pouvez le bâtir jusqu'à une couvrance qui est vraiment très très forte. Et il est très très hydratant, il est aussi hydratant que Dior, il est très agréable à porter, il ne bouge pas de la journée, il se met vraiment très très peu dans les plis. J'adore ce concealer, mais je pense que je devrais acheter une couleur plus claire pour le mixer en fait entre les deux, parce que j'aime vraiment beaucoup cette formulation, mais au niveau de la couleur, il devrait vraiment étendre leur rangée des couleurs pour les couleurs les plus claires. En tout cas, celui-ci il reste et je considère du coup une deuxième couleur dans cette formulation parce que j'adore vraiment cette formulation, celle-ci elle reste. Si vous me suivez depuis assez longtemps sur ma chaîne, vous savez ce que je vais faire avec ce concealer. Je déteste ce produit, je le déteste, j'ai essayé de le faire marcher de toutes les occasions, je l'ai essayé de faire marcher avec la poudre, sans la poudre, de le fixer, de pas le fixer, de le mélanger avec les autres, j'ai tout essayé pour le faire marcher et franchement c'est un produit qui ne marche absolument pas sur moi, c'est l'un des pires, je pense que c'est le pire concealer de tous les temps. C'est le pire concealer de tous les temps que j'ai essayé. Il a énormément de bases sur internet et je ne comprends pas pourquoi. Qui a prouvé cette formulation? Franchement, je ne comprends pas. Je l'ai acheté sur le site de Pat McGrath, donc ça ne peut pas être en faux et je viens de vous le swatcher. Au niveau de la couleur, je n'ai rien contre cette couleur. C'est une couleur qui est un peu plus estivale pour moi. Je l'ai acheté au printemps, donc... pour l'été, et je n'ai rien contre la couleur, c'est un concealer, enfin, la seule chose qui est vraie avec ce concealer, c'est un concealer qui est extrêmement couvrant, c'est vrai, mais si vous n'avez pas en dessous des yeux parfait, mais quand je vous dis parfait, c'est parfait, hein, si vous n'avez pas une seule petite ridule, pas une petite imperfection, pas une petite sécheresse, il va probablement marcher pour vous. Si vous avez un filler, par exemple, si vous avez fait une injection de filler en dessous de vos yeux, peut-être ça va marcher aussi pour vous. Ou si vous avez moins de 20 ans et vous avez une peau extrêmement grasse, c'est peut-être un concealer pour vous. Mais si vous avez plus de 20 ans, si vous n'avez pas fait de chirurgie esthétique, et si de manière générale, vous avez une peau ne serait-ce qu'un tout petit peu plus sèche que sur le reste de visage, c'est un produit qui est horrible. Il se met dans tous les plis. Il me fait prendre 10 ans. Il me fait prendre 10 ans en passage. C'est un concealer qui est horrible et je ne comprends pas qui peut recommander ce produit. C'est une perte de temps, c'est une perte de matière. Franchement, c'est vraiment un produit que je n'ai pas et c'est vraiment l'un des pires produits que j'ai essayé de toute ma vie. Et je ne comprends pas comment on peut le conseiller parce que vraiment, ce produit n'a tellement pas marché pour moi et j'ai rarement vu un concealer qui est moins naturel que celui-ci. Bref, celui-ci, il va partir parce que je n'ai même pas envie de le regarder dans ma collection. Donc voilà, c'est un produit qui n'a absolument pas marché pour moi. Comme je viens de dire, je pense que c'est un produit qui peut marcher pour une certaine catégorie de personnes, mais j'ai un contour des yeux qui est relativement sec et vraiment ce produit, il me fait vraiment agir âgé de plus de 10 ans. Le dernier produit qui nous reste, c'est le produit par la marque de Catrice, c'est un True Skin Concealer et je l'ai en couleur 005 Var Macadamia et je vous fais un swatch. C'est un concealer qui est ici, je viens de vous faire un swatch, vous voyez. Qu'est-ce que ma main, elle est jolie, hein. Mes mains ont souffert, vous savez, avec les déclateurs, surtout avec les
rouge à lèvres, franchement, ils ont souffert. Donc voilà, je viens de faire un swatch, c'est un bon concealer, il reste, c'est un concealer qui est hydratant. Ce n'est pas le concealer qui est le plus couvrant, mais je trouve que c'est une belle formulation. Je dirais que c'est une formulation que j'aime un tout petit peu moins que Maybelline ou NARS ou, enfin, qu'est-ce que je viens de mentionner, les Anastasia ou Dior, mais c'est une formulation qui est décente, je l'aime bien, et voilà, c'est un concealer qui reste. Je n'ai pas forcément une opinion très très forte sur cette concealer, mais j'aime bien cette couleur, j'aime bien à quel point il est hydratant, il est agréable à porter, donc celui-ci, il va rester. Donc voilà, le travail accompli sur les concealers, j'aime beaucoup comment ça se voit. Je trouve pas que j'ai trop de choix, donc voilà, j'ai plus mes temps d'hiver, j'ai plus mes temps d'été, et ce sont des concealers que j'aime et que j'apprécie, et maintenant, il est temps de passer au fond de teint. Donc la dernière catégorie qui nous reste, ce sont des fonds de teint, c'est la catégorie, je pense, qui... Enfin, je n'ai pas énormément de produits, mais j'en ai quelques-uns qui sont mes favoris, et on va commencer par le produit qui va partir, c'est le fond de teint par Charlotte Tilbury. Non, je rigole. C'est le fond de teint par Charlotte Tilbury, celui-ci, c'est le premier que j'ai envie de sélectionner si ma caméra veut bien se fixer sur moi. C'est un fond de teint qui est le numéro 1 de tous mes fonds de teint, je l'adore, et si je devais choisir un fond de teint qui est mon favori dans ma collection, c'est le Beautiful Skin par la marque de Charlotte Tilbury, je l'ai en couleur 5N, j'adore cette formulation, c'est mon fond de teint, franchement, je peux rien dire, j'adore ce fond de teint, ça donne une peau belle mine, il est hydratant, il ne me souligne aucune sécheresse, il est parfait, il lisse les pores, j'ai même pas besoin d'utiliser un primer lissant pour les pores, pour que mes pores sont vraiment très très lisses, j'adore cette formulation, j'adore cette fond de teint, j'adore cette couleur, donc tout est bon dans ce fond de teint, et celui-ci, si je dois penser à une formulation qui va rester dans ma collection de manière permanente, et je pense que si je vais les finir, je vais les racheter, c'est celui-ci par Charlotte Tilbury, j'adore ce produit. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir, mais je viens de faire un swatch de cette couleur 5N par Charlotte Tilbury, et c'est vraiment un match parfait pour moi, un tout petit peu trop foncé pour moi en hiver, mais je m'en sors, mais c'est un neutre, enfin c'est un light medium neutre avec un sous-ton olive, et pour moi c'est un match exact de ma peau, je pense que depuis tous les temps, c'est le match le plus exact que je trouvais à ma couleur de peau, donc voilà ce que ça donne si ça vous intéresse au niveau des swatchs. Un autre fond de teint qui mérite entièrement sa place de favori dans ma collection, c'est le Dior Forever Natural Nude fond de teint, je l'ai en couleur 2N, et je viens de vous faire un swatch avec Charlotte Tilbury, donc vous pouvez voir, Charlotte Tilbury, il est un tout petit peu plus olive, celui-ci il est beaucoup plus neutre, donc si vous êtes beaucoup plus neutre, je vous conseille 2N par Dior, et si vous êtes plus olive, je vous conseille 5N par Charlotte Tilbury. J'adore ce produit, j'adore ce fond de teint, c'est un fond de teint qui a une couvrance très très légère, et pour moi, vous savez, c'est un tout petit peu comme pour les concealers, j'aime bien des couvrances qui sont assez légères au niveau des fonds de teint, j'aime bien des couvrances, voilà, j'aime bien des fonds de teint qui sont lumineux à une couvrance qui est légère, qui peut se bâtir jusqu'à une couvrance moyenne, mais pour moi, mon couvrance moyenne, c'est même pas forcément nécessaire. J'aime beaucoup les fonds de teint qui font une sorte d'effet seconde peau, couvrance légère, lumineux, et voilà, c'est tout ce que j'aime au niveau des fonds de teint, donc j'adore ce produit, comme le concealer par la même marque Dior, je l'ai utilisé pour mon mariage, il a extrêmement bien tenu toute la journée, c'est vrai que je l'ai bien fixé avec la poudre de Laura Mercier, mais je vous avoue que je n'ai pas besoin de plus de couvrance, et j'adore ce produit, il était très naturel, très photogénique, il contient pas de l'alcool, c'est un plus, et c'est une formulation qui est agréable à porter, bref, si je devais nommer les tops de fond de teint de ma collection entière, c'est celui-ci et le Charlotte Tilbury, sauf que voilà, celui-ci c'est, on va dire, plus un fond de teint pour l'hiver, et le Charlotte Tilbury, je vais l'adorer en été au niveau de la couleur aussi, donc voilà, celui-ci il reste absolument. Un autre fond de teint qui reste absolument dans ma collection, c'est le fond de teint Chanel Les Beiges en belle mine naturelle, longue tenue, c'est un excellent fond de teint, je l'ai en couleur B20. Vous voyez, par rapport au Charlotte Tilbury, il se rapproche un tout petit peu au niveau de la couleur au Charlotte Tilbury. Le Dior, il est un peu plus rosé, celui-ci, il est un peu plus jaune. Donc voilà, c'est un excellent fond de teint, je l'utilise plus en été, je dirais que c'est plus ma couleur d'été. Je l'ai essayé dernièrement, je trouvais que la couleur, elle était un tout petit peu trop foncée pour ma carnation actuelle, mais j'aime beaucoup ce fond de teint, c'est un très très bon produit. C'est un fond de teint à une couvrance qui est légère, comme Charlotte Tilbury, comme le Dior, je pense qu'on voit ici une tendance. J'aime bien utiliser ce fond de teint, il est très agréable à porter, très naturel, très lumineux. Je pense que c'est le plus lumineux de tous les trois. Je pense que Charlotte Tilbury est celui-ci. Peut-être Charlotte Tilbury, il est un peu plus lumineux, c'est vrai. Mais celui-ci aussi, il est extrêmement lumineux, agréable à porter, j'aime bien l'utiliser. Mais c'est vrai qu'au niveau de la teinte et au niveau de la formulation, je le préfère du coup pour l'été. Un fond de teint dont je vais me séparer, c'est le Milani Screen Queen. J'ai adoré pendant très très longtemps ce fond de teint. Vous voyez, il est pas mal utilisé, mais ça va de soi, vous pouvez voir pourquoi je m'en sépare. C'est parce qu'il commence à se séparer entre une sorte de liquide et produit. Et je pense que pour moi, clairement, le produit, il a expiré. Ça faisait un petit moment que j'ai ce produit et ça, du coup, il a 12 mois d'utilisation. Et je pense que je l'ai depuis...
peut-être un an et demi, en tout cas peut-être un peu plus d'une année, mais en tout cas vous voyez au niveau de la consistance, il a commencé à se séparer, donc clairement c'est un produit qui, je pense, qui a largement expiré. Donc je vais m'en séparer et je vais pas le passer à quelqu'un parce que clairement c'est un produit qui n'est plus utilisable, mais on avait passé un bon moment ensemble. Je trouvais qu'au niveau de la couleur, je vous mets quand même la couleur, c'est un nude beige, c'est le dernier, je trouve qu'au niveau de la couleur c'était un très très bon match pour moi. Mais c'est vrai qu'au niveau de la formulation, bah, c'était une formulation qui est assez légère. Enfin, je dirais que c'est plus une couvrance moyenne qui était relativement bâtissable. Donc, on pouvait avoir pas mal de couvrance avec ce produit. Mais il restait quand même assez léger. Il a un fini, on va dire, plutôt naturel sur moi. Donc, c'était un très très joli fond d'automne. Mais malheureusement, voilà, au niveau de la consistance, on va s'en séparer. Et je ne pense pas que je vais le racheter. C'était pas mon favori. J'ai des fonds d'automne que je préfère dans ma collection. Ensuite, le fond d'automne qui reste dans ma collection, c'est un de mes fonds d'automne préférés. C'est le fond d'automne par Anastasia Beverly Hills. Je l'ai en couleur 160C. Et c'est ce match-ci, vous voyez, au niveau de la couleur, il est un peu trop clair. Mais il a aussi un sous-ton olive. Et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Malheureusement, cette couleur, elle est un peu trop claire pour moi. Même en hiver, je trouve qu'il est un tout petit peu trop clair. Je préfère avoir un ton au-dessus. Je trouve que voilà, ça passe, mais je préfère quand même un match de Charlotte Tilbury. Vous voyez à quel point il fait un avec ma peau. Celui-ci, il ressort un tout petit peu de ma peau. Mais au niveau de la consistance, au niveau de la formulation, je l'aime beaucoup. C'est un fond d'automne qui est plutôt couvrant. Donc c'est pour ça que je l'utilise un tout petit peu moins. On va dire c'est plus un fond d'automne pour l'activité YouTube, caméra, Instagram, etc. C'est un fond d'automne à une couvrance médium, mais vous pouvez le bâtir jusqu'à une couvrance qui est forte. La couvrance, elle est vraiment forte au niveau de ce fond d'automne. C'est pour ça que je l'aime un tout petit peu moins. Enfin, je l'aime bien, mais je l'utilise moins parce que voilà, couvrance forte, c'est pas ce que je préfère. J'aime beaucoup plus le côté naturel, et même s'il y a quelques imperfections qui ressortent, je préfère les cacher avec un concealer. Je pense qu'au niveau de ce fond d'automne, il me reste en moins de la moitié. Donc, je pense que je vais le ressortir du coup dans les produits, on va dire, quotidiens. Et je vais essayer de le finir jusqu'à l'été pour que voilà, pour qu'il soit pas expiré. Je ne suis pas sûre combien de temps d'expiration là. Je crois que c'est 12 mois. Ouais, c'est 12 mois. Donc voilà, il a maintenant, je pense que cet été, il va faire plus de... Enfin, il va faire 2 ans parce que je l'ai acheté du coup à sa sortie. Donc c'était un bon fond d'automne. Bonne formulation, un peu moins naturelle par rapport à ce que je préfère. Mais ça reste néanmoins quand même un bon produit. Et vraiment, j'étais contente du coup de l'avoir. Un autre fond d'automne qui ne va jamais bouger nulle part de ma collection, c'est le Stick par le Huda Beauty. J'adore ce produit. Ce produit, je pense, il est aussi dans le top des favoris. Je pense que c'est difficile de dire. Je pense que Charlotte Tilbury reste le numéro 1, mais pour moi, c'est le fond d'automne estival. Je le porte uniquement en été et il est extrêmement joli. Vraiment, au niveau de la couvrance, au niveau du fini, au niveau de la texture, au niveau de la facilité d'utilisation, j'adore ce produit. Ce produit, vraiment, il est pas mal utilisé. Je vous montre quand même, vous voyez, je l'utilise. Il faut que je la lève, je viens de vous faire un swatch, vous voyez, ce produit, il est utilisé et je ne l'ai pas depuis très très longtemps. Je l'ai acheté du coup pour cet été, je l'ai acheté un tout petit peu avant ma chaîne, je dirais. En tout cas, c'est un très très bon fond d'automne au niveau de la couleur. Malheureusement, cette couleur, elle est beaucoup trop foncée pour moi, comme vous pouvez voir. En hiver, c'est vraiment beaucoup trop foncé. C'est la couleur 220 N Custard, mais pour moi, en été, c'est un match parfait, vraiment parfait. Je peux même pas dire autre chose. J'adore cette couleur. C'est un fini qui est plutôt mat, vous voyez tout de suite, par rapport au fond d'automne Anastasia et par rapport aux autres fonds d'automne lumineux. Celui-ci, il est complètement mat, mais j'adore ce fond d'automne. Il est photogénique, agréable à porter, facile à utiliser, tout est bon dans ce fond d'automne et vraiment j'adore cette formulation par Huda. En fond d'automne dont je vais me séparer, et celui-ci va partir directement à la poubelle. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo relativement récente, bah au moment où je pose cette vidéo c'était plus récent, mais j'ai fait une vidéo du coup deuxième impression où j'ai réessayé ce fond d'automne et j'ai essayé de le faire marcher. C'est comme le concealer par Pat McGrath, j'ai essayé énormément de fois de le faire marcher, j'ai essayé de le mixer avec tous les fonds d'automne que j'ai, avec tous les produits, tous les primers, les crèmes du jour, franchement ça ne marche juste pas. C'est un produit, c'est à la hauteur du concealer de Pat McGrath. C'est le produit qui vous fait âger. En fait, c'est un produit qui se met dans chaque texture, même si vous savez pas en fait que vous avez de la texture sur votre visage, il le trouve. Ce fond d'automne, c'est une formulation qui est magique, qui vous fait aussi âger de plus de 10 ans. Et la spécificité de ce fond d'automne, c'est qu'il est tellement
pas naturel, c'est un fond de teint full couvrance, vous savez, très très couvrant, mais c'est un fond de teint qui est déjà difficile à appliquer, parce que voilà, si vous l'appliquez au pinceau avec l'éponge, c'est pas grave, il laisse des traces sur votre visage, vous pouvez pas l'enlever, en tout cas, moi je n'y pas arrivé, il faut que je passe 15 minutes à estomper mon fond de teint, c'est vraiment pas, j'ai pas le temps à perdre, vous voyez, j'ai pas 15 minutes à perdre à estomper ce fond de teint, sachant qu'en plus, le résultat, il est vraiment pas terrible, parce qu'en fait, chaque personne que j'ai rencontrée en portant de ce fond de teint, elle dit, ah tiens, t'as un fond de teint sur ton visage, et franchement, c'est pas une sensation très très agréable, je l'ai en plus en couleur qui est un peu trop claire pour moi, vous pouvez voir, c'est la couleur de ville, et la couleur, elle est beaucoup trop claire pour moi, j'aurais dû prendre deux couleurs au-dessus. Dans la description de ce fond de teint, c'était un clair neutre, mais pour moi, c'est même limite fer, vous voyez, c'est pas vraiment clair, ça pour moi, c'est clair, ça c'est fer, donc voilà, je n'aime pas ce produit, je ne l'ai jamais aimé, j'ai essayé de le faire marcher pendant tellement de fois, mais ça marche pas, c'est vraiment, c'est un produit qui est texturisant, vous avez de la texture sur votre visage, il est pas naturel, totalement mat, aucune luminosité, bref, je n'aime vraiment pas ce produit, et celui-ci, on s'en sépare sans regret. Un produit de NARS, pour le coup, que j'ai vraiment aimé, c'était le moisturizer, c'était leur crème tentée, et j'ai utilisé une couleur, celle-ci, c'est une couleur médium 1.2, et je l'ai utilisé du coup en couleur qui est plutôt claire, je crois, c'était la couleur claire de Alaska, en tout cas, c'était la couleur Alaska que j'ai essayé quand j'ai passé ma commande de NARS pour la palette pour le visage, en tout cas, je garde cette couleur pour l'été, je vais le réessayer, et si je l'aime autant que j'ai aimé du coup la première fois, il est possible que je le rachète, mais voilà, c'était une crème tentée très agréable, hydratante, vraiment, enfin tout était bon dans cette crème tentée, ça me rappelait pas mal, vous savez, le fond de teint par Charlotte Tilbury, et j'ai vraiment aimé cette formulation, donc je garde ce petit échantillon pour l'essayer du coup en été. Un autre fond de teint qui va rester, c'est le Ultra Teint Velvet par la marque de Chanel, c'est un fond de teint avec un SPF 15 et il a un effet, il a une couvrance qui est très très légère, mais à la différence du coup d'une sorte de bébé crème, de crème teintée ou du fond de teint par Charlotte Tilbury, c'est un fini qui est mat velouté, donc c'est un fond de teint qui sèche complètement mat et il me reste pas beaucoup, c'est une couleur que j'ai, c'est la couleur B10 et franchement j'aurais dû acheter B20, donc je vais le ressortir dans les produits on va dire quotidiens et je vais essayer de le finir cet hiver, autrement je vais m'en séparer parce que voilà, c'est une formulation qui commence à dater, je pense que maintenant il a plus de 2 ans, donc voilà, il a déjà expiré, donc voilà, je vais me forcer à utiliser ce fond de teint, bien que la couleur elle est un tout petit peu claire, mais au niveau du fini, je l'aime bien, ce n'est pas un fini que je préfère tous les jours, c'est un fini qui est un tout petit peu trop mat, et c'est vrai que je préfère un fini plus lumineux, mais c'était un bon produit, bon fond de teint, je ne pense pas forcément le racheter, parce que voilà, je pense que je préfère les finis un peu plus lumineux, mais c'était un très très bon fond de teint, je vais essayer de le finir cet hiver. Un produit très controversé sur YouTube, c'est un produit BK0, et je vous avoue que je vous raconte un secret, j'aime beaucoup ce produit. C'est un produit qui n'a pas de couvrance, c'est un produit qui a zéro couvrance, donc voilà, ça il faut pas s'attendre à ce qu'il a quoi que ce soit, ce n'est pas le cas, mais c'est un produit qui fait quelque chose, je suis convaincue qu'il fait quelque chose, il vous lisse la peau, il vous fait un effet belle mine, même s'il n'a pas de couleur, même s'il n'a pas de couvrance en tant que tel, c'est un produit qui fait belle mine, et c'est un produit que j'aime bien utiliser, franchement je l'ai pas mal utilisé, je vous le montre, je l'ai acheté bien avant de commencer ma chaîne, et vous pouvez voir, en fait, je l'ai pas mal utilisé, j'aime beaucoup ce produit, je l'utilise en fait des jours où, enfin très souvent je l'utilise en été, et les jours où je n'ai pas envie d'avoir forcément un fond de teint, où je n'ai pas trop envie de me maquiller, mais j'ai envie de rajouter un tout petit peu de mascara, peut-être un concealer, vous savez, que j'ai mentionné aussi dans cette vidéo, le concealer en stick par Yves Rocher, et c'est bon, je peux sortir de la porte, je suis bien présentable, et j'aime bien ce produit, il reste absolument dans ma collection, même si vous pouvez plus le retrouver nulle part, j'ai aimé ce produit, c'est vrai qu'il était assez controversé parce qu'il n'a pas de couvrance, et c'est le cas, il n'a pas de couvrance, mais je continue à utiliser ce produit, c'est vrai que je le montre pas forcément en caméra, parce que vous pouvez de toute façon plus l'acheter, mais c'est un bon produit, j'ai aimé ce produit, et il reste dans ma collection. Un produit dont je vais me séparer, c'est un produit par la marque de Bobbi Brown, c'est une sorte de, ouais, c'est un sort de fluide, teinté, il est très très proche du fond de teint par la marque de Chanel que je viens de vous montrer, vous savez, pas le hydratant mais celui qui est infini poudré, et je l'ai en couleur N042, c'est une couleur beige, c'est une belle couleur pour moi, franchement c'est un beau match, mais c'est une formulation que j'ai aimé pendant les 6 premiers mois d'utilisation. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, je ne sais pas comment vous décrire. C'est un produit qui se met dans chaque pore à l'intérieur de la pore. Enfin,
il le souligne pas forcément plus parce que voilà, c'est pas un produit qui est lumineux, mais il se met dans les pores et il reste dans les pores pour une raison inconnue, mais surtout je pense qu'il contient une sorte de poudre pour je sais pas pour avoir ce fini poudré. Mais ce produit, il est tellement en dessous de la qualité de Chanel parce que vous arrivez pas à l'étaler. En fait, moi je n'arrive pas à l'étaler, même avec le doigt, même avec l'éponge, il a une texture. En fait, il vous donne de la texture comme le Nars, même si c'est un produit qui est très très peu couvrant. Et en fait, sur mon nez, il a une sorte, enfin je sais même pas comment vous décrire, c'est un fond de teint que j'ai essayé aujourd'hui et j'ai essayé de le mettre, et franchement ça m'arrive très très rarement, mais quand j'ai vu comment il s'est appliqué sur le teint, quand j'ai vu des bouts de fond de teint sur mon nez, en fait je suis partie dans ma salle de bain, j'ai complètement enlevé ce fond de teint et j'ai recommencé du coup avec un autre. Donc voilà, c'est un produit que je ne vous conseille pas, et je n'ai pas remarqué cet effet pendant les 6 premiers mois, et c'est un produit qui a, on va dire, expiré au cours du port. Ce qui me surprend, c'est que j'ai regardé aujourd'hui du coup la date d'expiration, il doit expirer du coup dans 24 mois, donc techniquement ce produit n'a pas expiré. Il n'a pas expiré parce que je l'ai acheté, je pense un peu, ouais je l'ai acheté il y a un mois et demi, enfin un an et demi pardon, et donc techniquement il est censé bien performer, mais voilà, au niveau de, oh, après 6 mois, il n'a plus du tout performé, et il est devenu complètement inutilisable. Donc une énorme déception par Bobbi Brown. J'ai eu beaucoup d'espérance pour ce fond de teint, surtout pour le porter en été, mais voilà, au niveau du texture, au niveau de la fini, au niveau du rendu, il se met en boue, je n'arrive pas à l'étaler avec aucun moyen, ni avec une éponge, ni avec un pinceau. Enfin, en tout cas ce produit pour moi il ne marche absolument pas, et donc du coup je vous le déconseille. Un autre produit qui est un favori absolu, 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 qui rentre dans le top 5 des fonds de teint de tous les temps, avec Charlotte Tilbury, le Dior, le Chanel qui est Glow, aussi Anastasia, Huda et celui-ci, ça c'est un glossier, c'est une sorte de, ouais c'est un skin tint, c'est un perfecteur de peau, je l'ai en couleur G8, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est cette teinte ici, et j'adore ce produit, c'est un de mes produits préférés, il me reste très très peu et je l'utilise avec parcimonie, comme vous savez, je vous ai parlé du spray fixateur par la marque de Tarte, ou je ne sais pas, le concealer par Maybelline, j'utilise ce produit avec parcimonie parce que je n'ai pas envie qu'il se termine et il m'en reste en fait très très peu. C'est un produit que j'utilise peu en hiver, mais en été c'est mon go-to, vous voyez, si je ne sais pas quoi faire en été, je prends cette couleur, ce produit, et franchement j'adore ce produit. C'est un produit qui ne donne presque pas de couvrant, c'est une eau teintée donc il faut le dire, c'est un produit qui est très très peu couvrant, mais il est tellement naturel, il donne un effet second peau, il unifie votre peau, il unifie le grand de votre peau, il est hydratant, lumineux, en fait tout ce qu'on veut avoir avec une crème, enfin eau teintée. J'adore ce produit, je pense que je vais probablement le racheter éventuellement si je passe une commande sur le site de Glossier sur l'adresse de mes parents, mais voilà, donc je trouve que c'est un excellent produit, excellent fond de teint. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les fonds de teint mais juste veut unifier la peau, je vous conseille de regarder ce produit, c'est l'un de mes top 5, vraiment l'un des favoris absolus, absolus, absolus de tous les produits que j'ai testé depuis tous les temps, et celui-ci il reste absolument. En fond de teint qui va rester dans ma collection, c'est le fond de teint par la marque de Catrice, c'est un HD Liquid Coverage, et j'aime beaucoup ce fond de teint, c'est un fond de teint qui est extrêmement extrêmement couvrant, c'est en couvrance maximale et il est mat, c'est tout ce que le Nars veut mais n'est pas si on le dit rapidement, si vous voulez acheter un fond de teint forte couvrance et fini complètement mat, oubliez Nars, prenez celui-ci, il coûte une fraction de prix par rapport au Nars, mais il est beaucoup plus naturel, il s'applique beaucoup mieux, beaucoup plus agréable à porter, il n'est pas asséchant, ça va se voir que vous portez un fond de teint parce que c'est une couvrance qui est forte, mais ça va se voir moins, on va dire, que le fond de teint par Nars. Je l'ai en deux couleurs. Je l'ai en couleur 0.30, c'était la couleur qui est la plus haute, je crois que ça s'appelle Sand Beige, et le 0.10, je crois qu'à la base, j'ai acheté le petit, vous savez, 0.10, mais je me suis complètement trompée de couleur, donc vous voyez, c'est vraiment une couleur qui est blanche pour moi, donc je pense que je vais me séparer de cette couleur, puisque cette couleur qui ne marche pas chez moi, par contre, je vais garder du coup le full size, celui-ci. Donc si vous me suivez depuis assez longtemps sur ma chaîne, vous savez ce que je vais faire avec ce produit Glowish. C'est un produit qui m'a marqué et qui a marqué l'existence de ma chaîne, et je l'ai en couleur 02 Fair Light. Je ne sais pas qui a osé appeler ça Fair Light, je vous montre quand même sur le swatch, ça c'est Fair Light, hein. Enfin, je ne sais pas qui a pu appeler ça Fair Light, et voilà, ça c'est ce swatch-ci, ce n'est ni Fair ni Light, je dirais que c'est même Medium, mais donc voilà, on va pas parler de la couleur mais on va parler de la texture. Ce produit part directement à la poubelle parce qu'il ne mérite aucune chance d'exister. Je l'ai utilisé récemment,
je l'utilise comme je vous ai dit. Si je fais plusieurs looks ou si j'ai fait des looks pour Instagram, des fois j'utilise des fonds d'autant que j'ai envie de réutiliser et de me remémorer qu'est-ce que c'est. Et bah c'est pas devenu mieux. Vous savez, dû à ma grossesse, j'ai une peau qui est extrêmement sèche en ce moment, donc je préfère des formulations qui sont les plus hydratantes et j'hydrate bien ma peau avant. Et bien bah ça marche toujours pas, ça souligne chaque imperfection sur mon visage, ça souligne de la texture et surtout ça a tendance à highlighter mes pores de l'intérieur. Je ne savais pas si c'était possible, mais c'est toujours possible, en plus du fait que je deviens orange. Bon, ça c'est moi, enfin c'est moi ou cette couleur en tout cas, c'est dû à la couleur, que la couleur ne me convient absolument pas, la couleur elle s'oxyde énormément, donc je ne sais pas pour qui ce produit est fait. Comme je viens de vous dire, j'ai une peau qui est très sèche en ce moment et ça me déshydrate la peau, il n'est pas agréable à porter, il n'est pas agréable à appliquer, enfin je sais pas ce qui est arrivé avec ce produit, mais c'est vraiment pas mon favori. En tout cas je ne vous le conseille pas. Je sais qu'il y en a qui ont aimé ce produit et je sais que c'est possible, mais voilà, pour moi ça n'a absolument pas marché et je n'ai même pas envie de passer ce produit à quelqu'un, parce que voilà, pour moi c'est un produit qui je ne comprends pas pour qui en fait il a été fait, ni au niveau de la texture, parce que vous avez en fait le sentiment que vous appliquez le highlighter liquide sur votre visage avec une sorte de glow hyper artificiel qui souligne toute votre texture, vos pores, etc. Donc voilà, ce produit n'a pas marché pour moi pour l'été, ça n'a pas marché pour moi en hiver, ça ne marche jamais. Donc voilà, je vais m'en séparer de ce produit parce que ça ne me fait même pas plaisir de l'avoir dans ma collection. Le produit dont je vais me séparer aussi, c'est le produit par la marque de NYX qui s'appelle Bear With Me. C'est un sort de crème teintée et franchement c'était pas mal, je l'ai pas mal utilisé, il est très très ancien, donc il avait 6 mois de durée de vie et je pense qu'il a expiré depuis très très longtemps, parce que je pense que ça fait à peu près 2 ans que je l'ai et je le porte aujourd'hui, franchement ça va, mais j'ai pas le sentiment qu'il fait quelque chose de bénéfique pour mon visage. C'est une crème teintée, il a une couvrance qui est beaucoup moins importante que par exemple le Charlotte Tilbury ou même je dirais Glossier, enfin en tout cas je n'ai pas aimé la couvrance aujourd'hui comment je l'ai réutilisé, parce que je voulais un tout petit peu me remémorer comment est-ce qu'il est. Puis au niveau de la couleur, je trouve que la couleur elle est un peu trop jaune, un peu trop claire, c'est une couleur qui est vanilla nude. Donc voilà, je vais m'en séparer, ça fait très longtemps que je l'ai pas mal utilisé, il y en a pas énormément qui restent, donc voilà, je vais m'en séparer, je pense qu'il est temps, ça fait très très longtemps qu'il a expiré. Un produit qui reste absolument dans ma collection, c'est le Tarte C Hydroflex fondotant, je l'ai en couleur 25N, c'est la couleur Light Medium Neutral, et je viens de vous switcher cette couleur, elle est ici, et c'est une couleur qui est un tout petit peu trop foncée pour moi en ce moment, je vais l'attendre et je vais le porter en été, mais je l'ai vraiment aimé au niveau de la texture, au niveau du fini, au niveau du rendu, au niveau de l'application, je l'ai vraiment aimé. C'est une couvrance qui est légère, moyenne, enfin je dirais légère, moyenne, ouais, et l'infini plutôt mat, donc je pense que je vais plus l'apprécier en été, mais c'est un fond d'autant qui n'a pas vraiment souligné des imperfections, qui n'a pas desséché la peau, qui n'a pas souligné les sécheresses, etc. Donc c'était un très très bon produit, juste au niveau de la couleur, je pense que j'aurais dû prendre une couleur plus claire, mais pour moi ce sera du coup un produit parfait pour l'été, et éventuellement je vais voir lequel je préfère du coup entre Glossier et celui-ci. Éventuellement, je pense que ce sont pas exactement pareils, parce que Glossier il a presque pas de couvrance, celui-ci il a quand même une couvrance décente pour ce type de produit, donc voilà, celui-ci reste absolument, il est très très neuf et j'ai vraiment aimé ce produit. Le dernier produit qui nous reste, c'est le produit par la marque de Essence, c'est le Pretty Natural Foundation, et je l'ai du coup en deux couleurs, je l'ai en 030, c'était Neutral Ivory et Neutral Champagne. Je vous montre ce que ça donne sur les swatches, vous savez c'est les deux derniers, celui-ci c'est le plus clair, celui-ci c'est le plus foncé, et je pense que je vais me séparer de la couleur la plus claire, puisque je trouve qu'elle est un peu trop claire pour moi. D'abord j'ai acheté cette couleur-ci, mais je l'ai trouvée trop trop claire sur moi, et j'ai ensuite acheté celui-ci, donc celui-ci je le garde, je trouve que c'est un meilleur match au niveau de la couleur, mais je vais me séparer de cette couleur. Et au niveau de cette formulation, enfin je l'ai bien aimé, je trouve pas que c'était la formulation qui m'a bluffé, mais c'était un bon produit, c'était un produit qui était hydratant, c'était une crème teintée agréable à utiliser, et je vais le garder pour le moment, je vais voir combien je vais l'utiliser en été, et c'est un produit voilà qui n'est pas non plus bluffant, mais c'est un produit qui était bon, c'est une crème teintée naturelle, qui hydratant, agréable à porter, donc je garde cette couleur-ci et je me sépare de cette couleur-ci. Donc voilà, je trouve qu'on a un travail qui est quand même bien accompli, je suis vraiment très contente comment ça se présente, je vois maintenant, j'ai de la visibilité, on va dire, au niveau de mes fonds d'autant, il n'y a que des fonds d'autant que j'aime, qui sont, voilà, pour des utilisations différentes, il y en a qui sont plus couvrants, il y en a qui sont plus naturels, on a un micro échantillon ici, mais je trouve que j'ai quand même pas mal de visibilité, je sais exactement ce qui match avec quoi, et ce sont vraiment des favoris qui restent, sont des produits que j'adore, ce sont des produits que j'ai vraiment aimé au niveau de la couvrance, et ce sont en général toutes mes teintes. Donc voilà, regardez un look
dernier sur tout ce qui est. Et on s'est quand même, je trouve qu'on a fait quand même un beau travail entre les primers, entre voilà, les fonds de teint, concealers, sprays, etc. Je trouve que j'ai une collection du coup qui est un peu plus réduite, mais c'est tout ce que je préfère. Au final, je trouve pas que j'ai énormément de fonds de teint. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je trouve que 11 c'est bien. Enfin, c'est une collection qui est quand même importante au niveau des produits qui est liquide, mais donc voilà, je trouve que c'est pas trop, vous voyez, ce sont tous des produits que je connais bien, et ce sont les produits que j'utilise, et donc voilà, pareil au niveau des concealers, j'ai gardé que mes favoris, il y en a des formulations qui, voilà, qui sont un doublon, parce que voilà, j'aime beaucoup plusieurs teintes, mais vous pouvez voir, j'ai beaucoup moins de concealers au niveau des fonds de teint, parce que voilà, les concealers en général, je les varie moins, les fonds de teint, c'est vrai que je change de couleur au niveau de la saison. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si je vous ai inspiré pour faire aussi un déclateur, pour voir quels produits qui sont, voilà, qui sont toujours là, qui sont d'actualité, ou ceux qui, voilà, qui ne marchent pas. Vous savez, s'il y a une leçon que je veux tirer de cette vidéo, c'est que des fois il y a des produits qui expirent, il y a des fois des produits qu'on garde par nostalgie, des fois on dit ah oui tiens peut-être on va l'utiliser, mais finalement on l'utilise pas. En tout cas, je suis contente du coup d'avoir fait tout ce travail avec vous, je me sens très très fière de tout ce qu'on a accompli ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne, de me laisser un like si cette vidéo vous a plu, et si je vous ai inspiré peut-être aussi faire un déclutter des fonds de teint ou de revoir des produits que vous préférez ou pas du tout, vous préférez garder ça tel qu'il. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!